Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 3 de notre incroyable aventure horrifique sur Dead Space, évidemment. Et on devait continuer, on venait tout juste de récupérer une nouvelle arme. Et comme la plupart du temps dans les jeux d'époque, quand on a une nouvelle arme, il faut très souvent l'utiliser. Pas vous mentir que j'ai un peu peur. Je viens de faire une très grosse... Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Je viens de faire une très très grosse bêtise. Et là, ça m'embête fortement. Voilà. Ok, c'est pas mal ça. Ok. Il faudrait récupérer... Hop. Il faudrait récupérer... J'ai une toute nouvelle arme. Wow. Isaac. Putain, faut arrêter ça, frère. On a été attaqué et elle est partie dans l'autre direction. Non, rien. Le pôle médical est un carnage. Ils ont barré l'accès à la morgue. La morgue? Oui. Mais la barricade a été faite à la va-vite. Un réservoir d'hydrazine pourra l'exploser. Il faudrait un détonateur. Peut-être un défibrillateur. Nicole est peut-être de l'autre côté. Isaac. C'est lui qui nous a attaqués. Je suis certain que c'était Etienne. Mais... je l'ai vu mourir. Si la morgue a été barricadée, c'était peut-être pour y garder quelque chose. Ah. Ok. C'est extrêmement embêtant. Ici, on a un store, mais pas assez d'argent. On casse, évidemment qu'on ramasse, on ramasse. Alors, évacuer la zone immédiatement. Je me permets de le faire. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Très 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 embêtant, je pense qu'on va l'avoir sur le capitaine. Par contre, les graphismes, incroyables, hein. Un bonheur. Hein. Ok, on va save. Toujours save dans le jeu. De toute façon, dès qu'on voit un poste de save, c'est un peu les jeux à l'ancienne. Il faut toujours en profiter pour save, justement. Ça serait dommage de toujours fuir. Ok. Sauf qu'on me dit d'aller par ici. Allez, c'est parti. Let's go. Ok, bizarre l'ambiance. Ok. Ok. Bon bah désolé, hein, je t'ai arraché les bras, les jambes. Très bizarre l'ambiance, non? Attendez. Ok. Attendez. Faut pas que je fasse le fou. Ok, c'est bien triant. Super. Ok, c'est bien triant. Let's go. Continue. Je suis pas serein, sa mère, hein. Ok. Les bruits et tout, tout est trop fort. Aucun courant. Je viens de me faire mal, là. Oh, les effets de lumière sont incroyables. Ok. Ok, le man est mort. Voilà. Très bien. J'ai un peu trop de balles à mon goût. Ok. Ok, tout est verrouillé là, c'est terrible.
terrible ce qui est en train de se passer. Parfait. On va essayer de voir ce qu'il y a là-haut. Oh putain. Ok. Putain, je suis désolé, j'ai la toute nouvelle manette. Vous l'avez peut-être vu pour ceux qui me suivent sur Insta. J'ai la toute nouvelle manette PlayStation Pro. Et la Sensi est un peu plus balèze. Ok. Je cache pas qu'on en prend très vite plein la gueule. Bon, superbe. Bon, avant d'améliorer ça, on va essayer d'aller tout sur les points de vie. Ça me paraît pas mal. Durée de la stase. Ah, durée de la stase, ça peut être cool aussi. Énergie de stase, ça peut être cool. Et après, on ira sur les PV en tout cas. Ok. Très bien. Messieurs, dames, on est parti. On est parti. Ok. C'est juste derrière, c'est ça? Très bien, ça. Je suis vraiment pas serein. Journal de patient retrouvé. Les essais sur le patient Harris n'auraient pas été concluants. D'après les rapports de la colonie, il a de la chance d'avoir encore ses facultés. Une expérience divine ne peut qu'impacter l'esprit de quelqu'un. Peut-être. Mais je n'ai rien vu de divin dans... Tout ce sang... Les suicides... C'est une révélation, Terence. Il nous faut juste plus de recul pour... la traduire. Et vous croyez que ce recul se trouve dans la tête de Monsieur Harris? J'en suis certain. Comme le capitaine Matthews a barré l'accès à Aegis 7, ce type est peut-être notre meilleure chance. Mais Harris est le patient du docteur Brennan. Et vos méthodes... Écoutez, Mercer, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne peux pas valider. Vous devez agir au mieux, je sais, mais... Combien de temps pouvons-nous encore attendre? Bon, allez, les potes. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok. Je fais pas le fier, hein. Oh, je fais pas le fou, hein. Attendez, je tente un truc. Ça marche. Ça marche. Incroyable. Ok. Ok. Ça. Ok. Très bien. Bon, je parle pas beaucoup, mais je salive presque. Très bien. On va aller à droite, mais on est parti à gauche. Journal texte, je vous laisse le lire. Oh là 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 là. Ça va nous emmener en enfer tout ça. Ouais, mais je peux pas lire moi les gars tout ça à chaque fois. Je vous laisse mettre pause évidemment. À chaque fois. Très bien ça. Des petits crédits. Ici on ne... Ah, fils de pute.
Ok. Voilà, j'avoue que j'ai eu un putain de coup de chaud. C'est terrible. Ok, on va save. Tu connais le syndrome des anciens jeux, c'est ton jamais. Difficulté évidemment normale slash moyenne. Ok. Le fameux passe de niveau 2. Je n'aurai jamais. Ok, qui fait l'ambiance, les gars? Je sais pas s'il peut y avoir des méchants pas gentils. Trouver un réservoir d'hydrazine. Et si la porte se ferme? Oh, j'ai trop peur. Ok. Quoi? Ok. La vache. Zone en zéro gravité. Ok, bah écoutez, d'accord. Donc la 0G. Bien toujours la position. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé Nicole? Aucun signe d'elle pour le moment. Mais j'ai trouvé du drazine. Ça devrait marcher sur la barricade. Je dois trouver un défibrillateur. Ok, faites vite, Isaac. Ok. Bon, jusqu'ici c'est très bien. Et le défib, je suppose que, évidemment, hein, il est pas là, hein. Ok, ramasse-moi ça, Bibiche. Ah, mais c'est incroyable! Je savais pas! Putain, mais ça va changer beaucoup de méta, ça! On peut attirer aussi les crédits. Très bien. Entrée en zéro gravité. Ok. Là, il y a plus rien à fouiller, là, je suppose. Ok, super. Bon, bah écoutez, on se casse alors. Oh, j'ai eu trop peur. C'est quoi ce bordel? Ça a secoué tout le vaisseau. Ouais, c'est pas moi. Je vais voir. Ok, excusez-moi, j'étais en train de boire une petite canette de Coca-Cola Zero. Et vous devriez en faire autant. La vache. Oh, l'ambiance, elle est folle quand même, hein. Ok. Ok, ça j'ai toujours pas compris comment... Je crois qu'on n'a pas trop le choix que de faire ça pour le PTO. C'est bon. Regardez, ça va se refermer. Là, let's go. Ah ! Mais non ! Oh, je me suis chié dessus, putain de merde. Faut que j'arrête de me chier dessus comme ça parce que j'arriverai jamais à me soigner dans les bons moments. Mine de rien, ça. Ça perd de la mune là.
Mon Dieu, j'ai mis un pied en dehors du pote du capitaine Nickel. Ah, ce truc a failli m'avoir. Ça va? Il est piégé dans une capsule de sauvetage endommagée. Je l'entends grogner, c'est de la folie. Maniez-vous, Isaac. Ok. Les gars, c'est un putain d'enfer tout ce qui se passe. Ok. Attendez, je croyais qu'il y avait un truc là-haut. Ah ! Ok. Ok. Vache! C'est chaud! Je me suis fait prendre un gangbang! Devant, derrière, à gauche, à droite, on sait plus où donner de la tête! Terrible. C'est trop grand là tout ce qui se passe. Rien à péter, je vais aller check là-haut. Ah, mais c'est là que le mec il s'est enculé le crâne. Oh non, quelle angoisse! Quelle angoisse, c'est un labyrinthe! Le labyrinthe de Pan! Hop, 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 hop. Poste de soin, tu sais ce que ça veut dire! Ne me laisse pas te faire de petits schémas. Cette action est irréversible et fort heureusement, évidemment. Ok. Bonsoir. Ok. Très bien. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. J'ai plus que... j'ai plus rien. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? On va descendre au calme. Ah,
Elle bête ça. Ah ouais, mais c'est ça que j'aurais pu prendre, ça aurait été incroyable. Putain de merde. Chier dessus. Terrible ça, oh, c'est pire que... C'est pire que tout. Ok. Très bien. Bon, on peut récupérer notre calme, j'ai envie de vous dire. Plus de peur que de mal. Mais beaucoup de mal quand même. C'est quoi ça? Échantillon de tissu. Il n'y en a pas là? Nicole, c'est moi. Ok. Journal personnel de la docteur Nicole Brennan. Avec les médicaments et le traitement par zéro gravité, l'état du patient Harris s'améliore. Si ça continue, l'espoir est permis pour les autres sur Aegis 7. Mais le docteur Mercer continue d'interférer. Selon lui, les délires d'Aris sont significatifs sur un plan religieux. Si je dois déposer un recours, je le ferai. Je ne perdrai pas un patient pour des histoires d'unitologie. Plus jamais. Recherche de signal de Rig. Docteur Nicole Brennan. Ok. Localisation de Rig non concluante. Je vais se mettre pause. Recherche manuelle de Rig disponible. Fouiller les urgences maintenant. Non mais jamais elle a survécu les gars. Pourquoi ma femme aurait survécu? Ça n'a pas de sens. Ok. Très intéressant. Très 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 intéressant. Ben, nom de Dieu, que se passe-t-il ici? Précisément ça. L'œuvre de Dieu. Comment peux-tu dire ça? Ces morts à la colonie. La paranoïa, les hallucinations. Tu voulais une analyse scientifique des causes et effets? Eh bien, tout a commencé après que le monolithe a été dressé. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Le monolithe est divin? Nous le savons bien. Écoute, il sera à bord demain. Tu pourras l'étudier à ce moment-là. Rassure-toi. Me rassurer? Des gens meurent. Ça ne peut pas être la transformation que les écrits promettent. Nous sommes témoins d'une nouvelle aube, Terence. Pour l'unitologie, pour l'humanité. Bien sûr, notre foi est mise à l'épreuve. Tout va changer. C'est bien ce qui m'inquiète. Fin de l'enregistrement. Protection de l'entrée. Ok. Bien parti. Bon, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. C'est quoi ça par exemple? Ah, partout. Ok, c'est bon à savoir ça. Ok. Oh là là, mais c'est profond tout ce qui se passe ici, c'est terrible. Oh, beaucoup trop de plans par contre. Beaucoup trop de plans, ça sent pas bon tout ça. Hein. Ça sent pas bon.
Que faire avec les plans? Normalement, une établie, c'est là où on y met les plans, mais enfin... Là, de toute évidence, non. Je pense qu'il n'y a qu'au shop où je pourrais trouver ma réponse. On verra. Ok. Bon, vous connaissez la musique? Une petite save dès que l'occasion s'y prête. Let's go. Plus de peur que de mal. Ok. À l'époque, ils avaient quand même des level design assez intelligents pour le coup. Ok. Ces bébés ont l'air très chiants. Ah! Non mais monsieur, vous êtes accroché. Je vous laisse lire. Une erreur administrative, très bien. Ok. Voilà, il y a du crédit là, il faut que je trouve une boutique maintenant. Hein. Quoi? Ok. Bon. C'était des level design hyper intelligents parce qu'en fait... Oh. Et tourner en rond sans même s'en rendre compte. Ok. Super. On va peut-être y aller mollo maintenant. On va plus y aller au... Au fusil d'assaut, comme la section d'assaut. Très bien. Ok. Je sais pas combien j'ai de crédit, mais ça a l'air presque jouissif. J'ai tellement hâte de croiser une petite boutique. Ok, ici c'est fermé. Ici ça n'a jamais été ouvert. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien ça. Daniels ne répond pas au lien Rig. Vous en êtes où? J'ai trouvé un défibrillateur à utiliser sur la barricade. J'y retourne maintenant. Attention à la tension sur cet appareil. Je veux perdre personne d'autre. Ok. Attendez, c'est là où ça a swingé, hein, sa mère. Hein. Y'a pas un petit stores? Y'a pas un petit store en bas? Il me semble. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Stas boutique. Boutique, ça ressemble à un Doros. Et je crois qu'il n'y en a pas. Bon, très compliqué, mine de rien, leur carte, mais quand même utile. Dépêche de courir comme ça. Waouh, j'ai cru que j'allais mourir.
ça part vite quand même les mules. Ça part vite de fou. Mais rien ne vaut le cut du plasma. Ok. Superbe. Oh. Un poste de save, tu sais ce que ça veut dire. Ouh. Écoutez les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Bye bye.